Mesdames et messieurs, recevez Comment devenir un géant dans l'esprit avec le pasteur John Anosike. Alors, Paul dit, je voudrais que tu sois préparé pour un certain combat spirituel. Un certain combat spirituel que tu dois faire dans le but de réclamer ou d'atteindre certaines dominions sur certaines dimensions dans l'esprit qui contrôlent les affaires de l'humanité. Alors le Seigneur dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alors le Saint-Esprit dit que c'est le moment pour le corps du Christ de commencer à atteindre ou de commencer à monter dans des règnes ou vers des niveaux supérieurs. C'est le moment pour le corps du Christ de commencer à entrer dans des dimensions de puissance afin de gouverner les dominions qui sont sujets au pouvoir. Les principalités règnent sur les pouvoirs. Et les pouvoirs, ce sont des dominions, ce sont des règnes. Et si vous n'arrivez pas à comprendre votre position dans le règne de l'esprit, vous pourriez ne pas être en mesure d'avoir une influence maximum sur les affaires ou l'environnement, ou la juridiction, ou le territoire que Dieu vous a confié. Alors voici, la Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de rois et des prêtres au service de Dieu, son Père. Donc vous êtes des princes et des princesses. Alors cela voudra simplement dire que si réellement vous êtes des princes, donc vous avez la capacité de dominer sur les pouvoirs. Donc, en tant que prince, vous devez être en mesure d'accéder dans des dimensions de dominion, des dimensions qui sont sujets à des pouvoirs, et afin de pouvoir gouverner ce pouvoir pour apporter le salut à votre communauté, à votre nation, à votre famille, etc. Mais avant que vous n'arriviez à détrôner les présents princes des ténèbres, qui sont en train de gouverner sur ses pouvoirs présentement, il doit avoir un combat spirituel. C'est là où Paul intervient en disant que nous ne combattons pas la chair ni le sang. Les principalités ne viennent pas à vous en tant que chrétien ou parce que vous êtes chrétien. Principalités n'ont pas votre temps. Les principalités se trouvent dans le règne spirituel, dans le règne céleste. N'est-ce pas quand Daniel a commencé à prier? Il a commencé à provoquer quelque chose dans les règnes célestes. C'est alors que les anges ont commencé à se déplacer pour se rendre vers Daniel. Mais il y avait une guerre, il y avait eu un combat spirituel dans les cieux. Tant que Daniel était encore très à l'aise, bien confortable, dans sa maison en train de jouir de la vie, et il ne faisait que réciter les livres des psaumes pendant qu'il priait, eh bien, rien ne se passait. Il n'y avait pas de combat qui se déclenchait. Mais dès que vous entrez dans votre cité ou dans votre quartier ou dans votre village ou dans votre communauté et que vous commencez à faire des déclarations mystérieuses et que vous commencez à vous dresser ou à combattre les forces des territoires, il sera alors déclenché un combat spirituel entre les principautés des ténèbres et les principautés de la lumière. Et ce combat spirituel est un clash d'intérêt. Il s'agit ici d'une dominance politique par laquelle il faudra réclamer ou récupérer l'influence ou la dominance sur le pouvoir que Jésus-Christ a soumis et régné sur quand il est sorti de la tombe. Suivez-moi attentivement parce que après ce message, je crois que vous allez commencer à prier de façon beaucoup plus stratégique et vous aurez de l'ossement, vous aurez des résultats. Parce que ainsi, vous saurez quoi faire désormais en tant que ministre de Dieu. Et vous direz alors, à présent, je commence à accéder dans les dimensions qui contrôlent cet environnement, qui contrôlent ce quartier ou qui contrôlent cette communauté, etc. Vous pourrez alors déclarer que toi, principauté, toi, position, toi, trône, cette position, cette place que tu occupes m'appartient. Je suis roi. Car mon Père est le roi des rois. Élevez vos têtes, ô vous, portes des ténèbres. Élevez vos têtes, linteaux. Élevez vos têtes,
Oh, élevez vos têtes, vos portes éternelles. Élevez vos têtes, élevez vos linteaux. Élevez vos têtes, portes éternelles, en sorte que le roi des rois fasse son entrée. Maintenant, écoutez très bien, ce n'est pas moi qui vous ai appelé prince ou roi, c'est le Père qui vous a appelé des rois. Il faut savoir que les rois, ce sont des princes qui sont supposés, d'accord, dominer dans des règnes spirituels. Ce sont des princes, ce sont des rois qui sont supposés dominer sur les principautés qui gouvernent des pouvoirs. La raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi et prince que nous sommes, nous n'arrivons pas encore à contrôler des communautés et des pays ou des nations, c'est parce que nous ne savons pas que nous avons cette puissance et que nous avons cette position, que nous avons ce droit de déclarer « Oh, lève-toi, élevez vos têtes, vos portes éternelles, élevez vos linteaux. » Parce que quand on dit « élevez vos têtes », là on parle de l'ascension, c'est une ascension spirituelle. Parce que la Bible les a bien appelés, la Bible a bien dit « portes éternelles ». Il s'agit donc là des portes spirituelles ou de portails spirituels. Il ne s'agit pas ici de portes spirituelles, il s'agit de portes fortement spirituelles. Pardon. Il ne s'agit pas ici de portes physiques. Il s'agit ici de portes hautement spirituelles, de portes éternelles, de portes anciennes. La Bible a bien dit, élevez vos têtes, vous toutes portes éternelles. Élevez vos têtes, élevez vos linteaux, afin que le roi des rois puisse faire son entrée. Ce sont seulement les rois qui sont en mesure d'entrer à travers ces portes-là. La Bible dit, dans Colossiens 2, verset 15, là, Jésus-Christ a désarmé toute l'armée du diable, tout pouvoir, les donna publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Là où se trouvent les principautés, il y a des pouvoirs. Selon les Écritures, ici maintenant, je m'en vais vous donner deux positions puissantes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, pour que votre ministère puisse commencer à ascender, afin que votre ministère puisse commencer à exceller. Première clé que je vous donne, on l'appelle le pouvoir de l'air. La Bible nous fait comprendre que Satan est le prince du pouvoir de l'air. Mais voici les fils de Dieu, ce sont les fils de Dieu qui ont donné cette position au diable, de gouverner sur le pouvoir de l'air. Quand Jésus-Christ est sorti de la tombe après sa résurrection, il est écrit dans Matthieu 28, 18 jusqu'à 19, il a bien parlé, il a dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Il n'a pas parlé de principauté, il a parlé de pouvoir, il a dit « tout pouvoir ». Parce que les pouvoirs, en fait, ce sont des institutions de gouvernement céleste, ce sont des lieux d'autorité, ce sont un peu comme des parlements spirituels, ce sont des sièges de royauté, ce sont des trônes. Et quiconque est assis sur ces trônes a l'accès à tout et a l'accès à entrer partout. Et donc, ce pouvoir particulier est à contrôler. Alors, ce que Jésus-Christ a réclamé, ce qu'il a reçu quand il est sorti de la tombe, c'était tous les pouvoirs. C'est alors qu'il a commencé à mentionner les différents lieux où se trouvent ces pouvoirs, ou alors les différents lieux où siègent ces pouvoirs. Il a alors parlé des pouvoirs du ciel, les pouvoirs sur le ciel, les pouvoirs sur la terre et les pouvoirs sous la terre. Alors, le pouvoir de l'air, c'est l'accès au cœur des hommes. Alors, quiconque qui gouverne le pouvoir ou les pouvoirs de l'air aura la capacité ou pourra naturellement influencer les pensées des hommes ou le cœur ou l'esprit des hommes. Alors, Paul a dit, Jésus-Christ a accompli sa mission, il a fait sa part, il a recouvré, il a récupéré tous les pouvoirs qui étaient perdus dans les cieux. Il a récupéré, il a restauré tous les pouvoirs qui étaient perdus sur la terre, tous les pouvoirs qui étaient perdus sous la terre. Et ensuite, il les a soumis. C'est pour cela qu'il dit alors, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Alors ma question est ceci.
Que faisons-nous aujourd'hui avec la puissance? Ou que faisons-nous aujourd'hui avec ce pouvoir que nous avons reçu? Le pouvoir dont nous parlons ici n'est pas juste de parler avec puissance. Le pouvoir dont nous parlons ici, c'est la gouvernance. Le pouvoir ici dont nous parlons, c'est le contrôle. C'est l'établissement des cultures, l'établissement de nouvelles lois, l'établissement de nouveaux systèmes, l'établissement de nouveaux gouvernements. La Bible dit clairement, ne soyez pas conformés au système de ce monde, mais soyez plutôt transformés dans votre esprit, dans vos pensées. Ça veut dire qu'il y a des systèmes ou des principes et des règles qui gouvernent ce monde, des principes et des lois et des systèmes que le prince du pouvoir de l'air a établi. Il a dit, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, car cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Mais comment cela est-il possible? La Bible dit clairement que le Dieu de ce monde, qui est bien sûr le prince du pouvoir de l'air, les a aveuglés ou a aveuglé les hommes. Je lis, il dit ceci, le Dieu de ce monde, qui est évidemment le prince du pouvoir de l'air, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle et qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est à l'image de Dieu. Ça veut simplement dire que le roi de ce monde, qui est le prince du pouvoir de l'air, il a assez, à travers le pouvoir de l'air, à l'esprit, aux pensées, au cœur des hommes. Alors donc, nous avons des centaines de millions de personnes qui sont aveuglées à l'évangile, à la lumière de l'évangile de Christ. Alors, la prédication de la bonne nouvelle n'appartient pas en fait à la communauté d'aller prêcher aux gens. Donc, apporter la bonne nouvelle en fait ici, il ne s'agit pas simplement de parcourir les communautés et de leur parler de la bonne nouvelle, de leur parler de la parole. Mais la bonne nouvelle, la prédication ici, le message à passer ici en fait, est de savoir ou alors d'inculquer comment accéder au règne spirituel, comment accéder au règne des pensées, au règne du cœur, au règne de l'esprit des hommes et pouvoir transférer la lumière de Christ dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur esprit. Et du moment où vous avez réussi à transmettre la lumière à travers votre conquête, votre dominion dans les règnes célestes et surtout sur le pouvoir de l'air, vous pourrez alors avoir la dominion, d'accord, sur l'esprit, sur les pensées et inculquer ou transférer, d'accord, ce pouvoir. Et ainsi, vous pourrez alors envoyer peu de personnes ou 20 personnes peut-être à l'intérieur d'une communauté pour qu'ils aillent apporter la bonne nouvelle. Et quand ces 20 personnes seront dans les communautés, une fois que ces 20 personnes commenceront à prêcher l'évangile de Christ, le cœur des hommes ne pourrait pas résister. Parce que quand ils déclareront Jésus-Christ est le Seigneur, tout le monde dira oui et tout le monde les suivra. Vous serez émerveillés de voir que chaque fois que vous allez organiser des croisades ou des rencontres de prière, etc., vous serez émerveillés de voir combien et comment les gens accourront et comment cela se fera-t-il. Parce que naturellement, avant la croisade, vous avez pu accéder au règne céleste. Vous avez pu accéder au règne du prince du pouvoir de l'air et vous l'avez conquis et vous êtes devenu le prince du pouvoir de l'air qui gouverne cette influence. Cette influence, ce pouvoir qui est dirigé directement sur l'esprit, le cœur, les pensées de l'homme. Vous pouvez changer une nation, vous pouvez changer une communauté, vous pouvez changer un parlement, vous pouvez changer un pays. Vous pouvez changer tout un continent. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de trouver votre lieu secret. Trouvez-vous un désert personnel. Trouvez-vous un endroit secret et entrez et commencez à accéder dans les règnes à travers la prière et alors et utilisez le nom de ce pays. Utilisez le drapeau de ce pays et commencez à accéder. Commencez à entrer. Commencez à pénétrer dans les règnes,
de ce pays, de cette nation ou de cette communauté. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc comment devenir un géant dans le règne spirituel avec le pasteur John Anosike.